It's a wonderful city to be in Ghana. Dentro Ghana. In Kumasi. Kumasi. And ministry. With fellow ministers ministre, and reaching across the globe. Le monde. And I pray that this time together will be a time of renewal, of revival, réveil, of refreshing de for everyone in Jesus' name. Amen. Father, Père, we thank you. Nous we know nous that it is not by might, by pas power, la force, by strength, it is by your spirit. Pas ton esprit, not by merit, pas pas but mérite, by your mercy and your grace, we're here. And we're asking, O Lord, you impart into our lives, into our ministries, into our profession, what comes from heaven and the only place it can come from to enrich our lives. Touch everyone this morning. Bless everyone this morning and make everyone without exception a channel of blessing to our generation. Thank you, Lord, for the answer. In Jesus' name we pray. Thank you very much. Sit down. We're looking at Isaiah chapter 40. And we're reading from verse 28. Isaiah chapter 40, verse 28. It says, "Hast thou known?" There's something we didn't know, we're going to know. And then it says, "As thou heard," maybe something we've never heard, we're going to hear that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, he fainteth not, neither is he weary. There is no searching of his understanding. We cannot dig so deep and go so high and search so wide and know the wisdom, the knowledge, and the understanding of the Lord. He tells us in verse 29, he giveth power. He gives the power. That's why we're here this morning. You're going to have something in your life and in your ministry. The thing you didn't have before, if you were powerless, your day of power has come. If you were weary, your day of strength and refreshing has come. And if you were about like Elijah, there's no point going on. I'm not better than any of my fathers, any of the former prophets, and so let me die. You are about to start a new level of life. Because he giveth power to the faith and to them that have no mind, augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. It says, verset 30, on dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel. They that wait upon the Lord. They are the people that they will renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vent comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Je crois que tu croyais que c'est sur les jeunes seulement qui peuvent le faire. Et Caleb dit, ah, c'est maintenant que je veux me commencer. Et aussi vu que je suis plus jeune que moi, le jour pour commencer à un niveau supérieur dans cette course, ce jour est venu. And if you are ready, si tu es prêt, because I'm still going to keep on running. Comment, if you are ready, si tu es prêt, tu vas courir avec moi. If you are ready, you'll climb a higher plane. Attira even plus from haut. Everything you did in de the tout past ce que tu as fait in par Jesus le passé au nom de Jésus. Ghana will be turned completely and fully unto the Lord. Entièrement tourné, gagné pour everyone le Seigneur. Everyone around you, chacun everyone beyond vous, you, that, you know, they say they are all right, ah, but you know they're not bien. All right. Vous savez que ça ne va pas avec of the grace of God has not Seigneur been registered in them. N'a pas you encore are the agents of toi the Lord, messengers of Seigneur. The Lord, and you are going to take the fullness of the la plénitude de la parole de Dieu pour le donner aux gens partout. Au nom de Jésus.
And it says, you will run, you will not be weary, tu ne seras pas fatigué, and you will not faint. Tu marcheras, tu ne seras pas, tu ne te lasseras pas. Un grand amen. You know, when you, sometimes, parfois, when I was, you know, much younger, quand j'étais plus jeune, you know, I taught in the school, et j'enseignais encore secondaire. Four periods. J'avais quatre périodes pour enseigner. I teach this, and you know, right on the board, and then I, you know, the bell rings, and I go to another class. Je vais dans d'autres classes. Four lessons. Et je donnais quatre cours. I would need some rest. Et j'avais besoin de repos. After so many Mais years, après plusieurs années, I preach one, je prêche un, two, je prêche deux, three. Je prêche trois. And then they said, on dit, pastor, pastor, we didn't schedule this one. On n'avait pas prévu ceci. Mais est-ce que tu peux prendre un quatrième? J'ai dit, je suis là, je suis prêt. Because now, parce que maintenant, I run and I walk and I preach, je marche, je prêche, je sers, and I'm not et je ne suis pas fatigué. You will not be weary. Tu ne seras pas fatigué. Your strength will not Ta force fail you when you need the strength. Te manquer quand you tu en auras besoin. Tu tiendras, you will walk, tu marcheras. You will tu prêcheras, you will pray, tu prieras, and God will et Dieu answer your va prayer. Exaucer tes prières. We started on Thursday. Nous avons commencé les jeudis. Quand est-ce que nous avons commencé? Tell me now. Dites-moi, non? Thursday, Friday, jeudi, Saturday, vendredi, samedi, Sunday, dimanche. Today is number... Aujourd'hui, c'est... Our people will tell you, les but don't tell diront. Them. Mais ne le dites pas. I will tell them myself. Je vais leur dire moi-même. When we used to have, we still have retreats. Nous avons tous des retraites. On avait la retraite de Pâques et la retraite de décembre. Start, et on commence sometimes Thursday, then Friday, by Saturday, et samedi, ma voix cassée. By Sunday, et dimanche, I thank God we're finishing. Dieu merci, nous finissons demain. Because my voice parce que has run away from me. My strength has ma run force away from me. Now we are day number five. Maintenant, nous sommes cinquième jour. And my voice said, et ma voix dit, as long as you aussi want to longtemps preach, que tu veux prêcher, vas-y seulement. J'ai la permission du ciel. J'ai la permission voice, de ma voix. J'ai la permission de tout le monde. Continue. Now you have maintenant, vous avez la permission du ciel. You will go on. Vous avancerez. You will preach on. Vous allez prêcher. And you will progress. Et vous allez progresser. I said you will vous progress. Allez progresser. When you keep at the message nous today, le message en ce readiness jour, and la préparation, le renouvellement Christ, pour la pénétration à l'image de Christ dans le ministère. Ce n'est pas une simple pénétration ministry, dans le ministère. So happy, et je suis tellement content. Vous êtes le candidat pour pénétrer ce pays. Il y a trois points à considérer. Voyons premièrement le renouvellement et la régénération pour être à l'image de Christ dans le ministère. L'emphase, être à l'image de Christ dans le ministère. Deuxième point, recréer et recommissionner par Christ pour la maîtrise. Par Christ pour la maîtrise. J'ai rencontré you know, spiritual children, l'un de mes enfants spirituels recently, récemment. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, je fais ceci. Said, that's not all, j'ai dit, il dit, c'est pas tout. This. Je fais ceci. Said, that's not all, j'ai dit, c'est pas tout. Pasteur, j'ai dit, fais ça. Et quand je l'ai regardé, j'ai dit, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais cela. And you look like an expert. Et tu ressembles à un expert dans tout lieu. Il dit, pasteur, avant, I used to think je pensais jack of all trades, que of fait, on, en faisant tout, on ne peut rien maîtriser. Mais tu, et vous avez prêché, vous avez dit, John, not Jack now, John, John of all trades, Jean and master de of tout, everything. De tout et maître de and tout. I took that, et j'ai and pris I ça, that, et j'ai accepté said, cela. The old statement, et j'ai dit l'ancienne déclaration, none, all that Jack de tout et rien de tout. Maintenant, John, je suis le Jean trades, de tout master commerce et je maîtrise tout. Ce que tu entends aujourd'hui va changer ta vie, will transform va transformer ta vie. So you are recreated, alors tu es recommissionné, tu es recommissionné. Christ par Christ for pour la number maîtrise. Troisième point, raffiner. Raffiner pour reconstruire Christ, avec Christ, master, notre maître, modèle,
et créateur. Il le fera dans ta vie. Premier point alors, le renouvellement et la régénération pour être à l'image de Christ dans le ministère. Himself, il veut so que nous soyons comme lui dans le ministère, afin que nous soyons à l'image de Christ. Voyons cela en Ésaïe, chapitre 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, si tu apprends à te confier en l'Éternel, tu peux faire beaucoup de choses que tu n'as jamais pensé faire. Tu peux atteindre des lieux que tu n'as jamais pensé atteindre. Tu peux devenir un autre homme, une autre femme, un autre prophète, un autre prédicateur, un autre pasteur. Tu peux devenir une autre personnalité. Tout ce qu'il faut, c'est de te confier en l'Éternel. Et ils renouvellent leur force. Chaque fois que tu te sens faible, ne continue pas à courir. Non, va te confier en l'Éternel. Chaque fois que tu te sens découragé, ne cours pas à temps. Confie-toi en l'Éternel. Chaque fois qu'il y a des anciennes idées, des faiblesses, des maladies du passé, reviennent. Pourquoi ça? Je fais cela. Et je suis toujours comme ça. Non, attends. Va te confier en l'Éternel. Le renouvellement viendra. Une nouvelle énergie, une nouvelle tonique viendra dans ta vie. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Est-ce que c'est possible dans ta vie? Tu vas courir et tu ne te la fatigueras pas. Tu vas courir et tu ne seras pas découragé. Tu ne seras pas abattu. Tu ne diras pas, ah, je ne veux pas continuer. Tu vas continuer. I said you will tu vas continuer. Because when you wait upon the Lord, quand tu te confies au Seigneur et il renouvelle ta force, alors tu vas courir. Tu vas t'engager dans cette course qui est devant toi et tu ne seras pas fatigué. Tu vas marcher. Il marche et ne se fatigue point. Vous voyez tous les passages. Je pouvais lire tous ces passages. Mais ce que je veux relever, la raison pour laquelle nous confions au Seigneur, nous voulons être à l'image de Christ dans le ministère. Comment est-ce que Christ a-t-il servi? Et si nous voulons être à l'image de Christ, quelles sont les choses que nous devons avoir dans nos vies que nous allons voir et savoir que je suis à l'image de Christ dans le ministère? Il y a sept choses que je vais rapidement examiner. Premièrement, il a prêché, servi sans crainte ou faveur. Vous savez, quand vous confiez au Seigneur et vous êtes renouvelé dans le cœur, dans la pensée, avant vous regardez les visages des gens, ah, ne dis pas ça à cause de telle personne, ah, je ne peux pas aller dans telle direction. Alors tu réalises, Christ n'était pas comme ça. Ministered a prêché sans crainte ou faveur. Le jour est venu. Fear taken away. La peur ôté. Favor. Do I say that to the sinner? Do I say that to the believer? Do I say that to the members of my church? What will they say? How will they look and how will they handle me today? From today, minister like Christ. No fear, sans crainte, no favor, sans faveur. Number two, your ministry will focus and freshness. Prêcher avec concentration et fraîcheur. When I was younger, quand j'étais plus jeune, you know, had some preachers. By the time I had them for 6 months, when they come again and they announce their subject, I know the message. Je connais le verset avec lequel ils vont commencer. Je connais les choses qu'ils vont encore répéter et je sais comment ils vont conclure parce que je les ai écoutés pendant 6 mois. Et il n'y a plus de fraîcheur. And then sometimes you look at a minister, he been preaching and preaching. Et vous voyez, and il prêchait, vous demandez, quel est l'objectif? Parce que quand j'enseignais, spécialement au primaire, avant de venir au secondaire et d'enseigner à l'université, on écrivait, il y a les notes des cours. Quel est ton objectif? Quel est ton but? Ah, et quand tu auras fini ceci, telle leçon, tel cours, j'espère. Et je travaille pour que les élèves puissent atteindre tel niveau.
Our teachers at school, they have a purpose. And when we came to high school to teach, we had a purpose. We're teaching this because they're going to take external exam. And we want them to do well in that external exam. We come as preachers. Et nous venons comme prédicateurs. What's your topic today? Et quel est ton thème? Give us proceed. What's the purpose? What's the goal? Objectif, what are you focusing on? Quoi te concentres-tu? What's the goal? Et quel est le but? And it just today, objectif? Sunday I have to preach. Dimanche, je dois prêcher. Et je prêche maintenant. Jésus Christ taught, a enseigné et a servi avec concentration et fraîcheur. Chaque fois qu'on écoutait Jésus, il était toujours frais parce qu'il y a beaucoup du ciel à apporter aux gens. Et donc, comme le Seigneur renouvelle nos vies et que le Seigneur transforme nos vies, nous devons prêcher, servir avec concentration et fraîcheur. Troisièmement, nous devons prêcher avec fermeté et finalité. As our minister, c'est comme ça nous prêchons and finality, avec fermeté et finalité. Never hears any other person preach about aucune autre personne sur le salut, let him know je vais lui faire comprendre que ceci, voici le chemin, la voie du salut. It was final, and they could go anywhere, et ils pouvaient aller partout, chercher partout. Ce message qu'ils ont entendu de toi a la finalité en un homme de naître de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Et tu es ferme à ce sujet. Nicodème a dit, comment cela peut se passer? Est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère et ressortir? Jésus lui a dit, ne t'étonne pas que je te dis. C'était toujours la même chose. Il était ferme à ce sujet. Tu ne nais, c'est un homme. Ne nais, c'est un homme. Homme, des gens. Si toi, tu nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Dieu, ça c'est la fermeté et voici la finalité. Si tu ne te réponds pas, tu périras également. Quatrièmement, ce que Jésus a prêché avec foi et patience. La foi et la patience. Regardez tous ses disciples. N'était pas uni, qui sera le plus grand parmi nous. Et il a pris un petit enfant. Et il a dit, regardez cet enfant. Alors si vous ne devenez pas comme des petits enfants humbles, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ce n'est pas parler du plus grand dans le royaume. Mais vous savez, il l'a prêché avec foi. Et il a toujours dit, c'est ceux qui allaient prêcher l'évangile à toute la créature. Ils étaient par-ci, par-là, ils vacillaient, ils étaient en haut et en bas. Mais il avait la foi que ce sont ces gens-là. Et il avait patience. Il l'a supporté, il a enduré avec eux, il était ferme avec eux. Il n'a pas dit, oh, ce groupe-là ne peut rien faire. Ils ne pourront rien réaliser. Je vais les mettre de côté, les chasser, retourner dans vos, à votre rivière pour recruter d'autres. Non, il était resté avec eux. Et quand il est ressuscité des morts, Pierre dit, je vais à la pêche. Il a dit, nous allons avec toi. Il est reparti vers eux encore. Vous savez, quand nous sommes à l'image de Christ, c'est ce que nous faisons. Nous n'abandonnons pas les gens. Nous n'abandonnons pas les membres. Nous n'abandonnons pas nos membres. Nous n'abandonnons pas ce que nous sommes censés, ce à qui nous sommes censés prêcher l'évangile. Parce que nous prêchons avec foi. Et nous prêchons avec patience. Cinquièmement, Jésus-Christ prêchait librement et pleinement. Regardez Jésus-Christ. Il est assis. Parfois, il est debout quand il prêche. Parfois, il s'assoit quand il prêche. Parfois, il sera dans la barque quand il prêche. Il était libre. Il était libre. Il n'était pas attaché quelque part. Si je ne me lève pas, l'onction ne va pas couler. Et parfois, il était assis. Si je ne m'assieds pas, vraiment, pour être bien positionné. Non, il était libre, debout, prêcher, assis, prêcher, regarder, prêcher, regarder de l'autre, libre. Il était libre dans sa pensée. Il n'était pas attaché. Et si nous voulons prêcher comme Christ, nous ne devons pas être liés par les traditions. Vous savez, les gens respectent. Ah, voici comment je dois. Et quand je prie, je dois m'agenouiller. Ah, quand je prie, Jonas n'avait pas un lieu même où s'agenouiller quand il priait. Il était dans le ventre du poisson.
il ne savait même pas s'il faisait face à l'ouest ou à l'est. Il a dit, tout avait environné. Cependant, je lève ma voix vers le Dieu des cieux. Je m'étais égaré, j'ai abandonné la voie du salut. Voici là où je suis maintenant. Quand tu prêches, sois libre. Ne sois pas frivole, prêche. Ce n'est pas que tu es superficiel. Va dans la parole et que la parole vienne librement de ta vie. Voyons ceci, il prêchait pleinement. Il prêchait pleinement. Il prêchait pleinement. Vous savez, parfois, j'écoute des prédicateurs et je suis d'accord avec eux en partie. Et parfois, je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu est vraie. Parfois, je dis aux pécheurs, il dit, venez tel que vous êtes. Et les gens disent, oh, merveilleux, merveilleux. J'ai entendu le pasteur dire, aujourd'hui, venez tel que vous êtes. Mais ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas tout le message. Oh, ça c'est doux. Je suis d'accord. C'est doux. Venez tel que vous êtes. N'est-ce pas ce qu'il a dit à cet homme, Zachée? Zachée, descend. À toi de descendre. Je dois demeurer dans ta maison aujourd'hui. Comment est-ce qu'il va venir? Il descendait tel qu'il était. Mais ce n'est pas la fin. Il est descendu. Et les gens ont dit, ah, Jésus est allé dans la maison d'un pécheur. Oui, c'est ce qu'il était. Et il est venu tel qu'il est. Mais vous savez, il n'a pas quitté tel qu'il était. Donnez-moi un bon amen. Quand les prédicateurs disent aux gens, venez tel que vous êtes, et les gens ont une idée, nous venons tel que nous sommes, nous sommes sauvés, nous demeurons tel que nous sommes, et nous sommes maintenant nés de nouveau, nous sommes dans l'église, nous sommes les disciples, et nous suivons, et nous continuons à vivre comme nous étions. Non. Non. Look at your currency there. Regardez. I brought one for you to look at. J'ai you know, votre, this votre currency argent. Here. Votre billet là. Is 200 nous in our mission. We 200. Have the big nous six. Le grand six. If somebody gave you si quelqu'un vous donne et vous regardez le billet, ah, c'est merveilleux. Mais vous n'avez pas regardé l'autre côté, l'autre face. Et c'est vide. Et la maison du jubilé n'est pas sur l'autre. Et vous vous baladez. Et vous voulez maintenant acheter quelque chose. Vous tendez le billet. 200 naira et 6-10. Et la personne qui veut vous vendre la chose ne va pas seulement regarder la première face que vous regardez. Il va regarder et tourner pour voir l'autre face. Ah, quel type de billet toi tu m'as donné? Le côté est vide. Après, avoir dit que tu es venu à Christ et tu viens tel que tu es. C'est juste une face. Et tu ne regardes pas l'autre face. Et l'autre face est vide. Tout ce... je viens tel que je suis, je viens tel que je suis. Et l'autre face de ton billet est vide, est blanc. Et tu arrives à la porte du ciel et tu dis, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Je veux entrer au ciel. Et j'ai le billet que j'amène ça de l'église. Et tu montres une face. Et on voit les et on regarde l'autre face, tout est blanc. Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Tu ne peux plus changer, rien changer à ce moment. Voilà pourquoi vous devez prêcher librement, mais vous devez prêcher pleinement. Dites-le toute la vérité. Voyez cette femme venant au Seigneur. Ils l'ont traînée devant le Seigneur. Pour dire, on a attrapé cette femme et nous l'avons attrapée. Elle ne peut rien renier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et ils ont mentionné ce qu'elle a fait. Ils ont dit, Moïse a dit de lapider d'une telle femme. Qu'est-ce que toi tu dis? Il a dit, il n'a rien dit. Il continue à écrire par terre. Parfois, nous disons, parfois, nous écrivons. Parfois, c'est ce que nous disons qui va, c'est ce que nous écrivons qui va les attraper. Et quand ils ont vu ce qu'il écrivait par terre, ils étaient tous convaincus. Et ils sont repartis l'un après l'autre. Alors Jésus a dit à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? Est-ce qu'ils ne sont pas restés? Non,
ne sont pas restés. Il dit maintenant, moi-même je ne te condamne pas. Tout le monde aide-moi à répéter cela. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And the woman, et la femme, if she didn't wait, si elle n'avait pas attendu, sweet, I heard ah, j'ai entendu un bon message aujourd'hui. Je ne te condamne pas non plus. Elle aurait une seule face du billet. He didn't wait to elle n'a pas attendu pour entendre l'autre côté. And goes about, et elle se balade. Ah, je vais témoigner. You know, vous savez, the things I had les choses que j'avais avant étaient amères. À moins que tu ne te repens pas, tu périras. Mais vous savez, j'ai entendu un nouveau message maintenant. Oh, ce message est doux. Je ne te condamne pas non plus. Ma soeur, attends. Regarde l'autre face. Dites-moi la suite. L'autre face, c'est quoi? Dites-le à haute voix encore. Let everybody que tout le monde that. Répète à haute voix. Va et ne pêche plus. So, don't classify the alors, ne classifie pas les messages. Je ne te condamne pas aujourd'hui. Le message est doux. And then come, ensuite, just viens as you are tel que sweet. Tu es doux. Look at the other regardez side. L'autre face. Like Zachée a dit, half. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. And if I'm taking et si j'ai pris anything, quelque chose à tort de quelqu'un, je lui rends le sang, le quadruple. L'homme n'était plus resté tel qu'il était. Et la femme, pardonnée, sauvée, mais va et ne pêche plus. C'est l'exemple de Jésus-Christ. Ça, c'est le modèle de Jésus-Christ. Il a prêché librement, il a prêché pleinement. Sixièmement, il a prêché fréquemment et avec ferveur. Il a prêché fréquemment et avec ferveur. Ton cœur doit être gros dans le ministère. Ta pensée doit être dans la prédication. Tout ce que tu fais, toute ta concentration doit être là. Et tu le fais fréquemment, en réalité, si vous faites quelque chose fréquemment, vous maîtrisez cette chose. Rappelez-vous, quand vous essayez d'apprendre l'alphabet au départ et le maître tenait votre main, et on le faisait doucement, doucement, et nous suivons l'alphabet. Plus tard, on a continué, et finalement, parce que nous avons continué à écrire fréquemment, c'est pourquoi nous avons pu maîtriser l'alphabet. L'écriture. Ainsi donc, nous prêchons fréquemment et nous prêchons avec ferveur. Et septièmement, nous devons prêcher fidèlement et de façon intrépide. Si nous avons peur, nous ne pouvons pas être fidèles. Si nous sommes fidèles, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, on a peur. Si nous sommes craintifs, oh, quelle sera la réaction du peuple? Si nous avons peur, ah, ceux qui sont dans le comité et qui m'ont établi et qui ont décidé de mes avantages, de ma rémunération, de mon salaire, s'ils ne sont pas contents de moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Et à ma famille, si nous avons peur, nous ne serons pas fidèles dans la prédication de la parole de Dieu à Jésus-Christ. Les pharisiens étaient là, dans le cas de Jésus-Christ, les sadduciens étaient là, et ils l'observaient pour le prendre au mot. Tout de même, il a dit tout ce qu'il devait dire. Et dès qu'il voulait partir, il dit, Père, je te remercie, je te rends grâce, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Parce qu'il était intrépide, il était fidèle. Et le Seigneur veut que nous soyons comme lui. Quand vous confiez au Seigneur, il va renouveler votre force. Alors vous allez prendre le vol comme les aigles. Et vous serez comme Christ. Vous serez fidèle. Comme Christ, vous serez intrépide. Et à partir d'aujourd'hui, and everywhere you go, when you have the privilege, quand vous aurez le privilège, one, premièrement, la crainte est ôtée de votre vie. Faithfulness. La fidélité. La fidélité.
I'll be faithful. Je serai fidèle. Où es-tu là-bas? The Lord will renew le Seigneur your strength, va renouveler ta force. And everything that brings et tout ce qui heart, apporte la peur dans ta vie, Dieu va ôter cela aujourd'hui. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Recréer et recommissionné par Christ pour la maîtrise. Recréé et recommissionné par Christ pour la maîtrise. He wants us to be il veut que nous soyons maîtres de ce à quoi il nous a appelés. Il a donné aux uns les autres comme apôtres. L'apôtre doit être intrépide et doit être un maître du ministère de l'apôtre. Et à certains d'autres comme prophètes, vous savez, les prophètes que nous avons aujourd'hui, ils ne sont pas comme les prophètes que nous avions dans la parole de Dieu. Moïse le prophète pouvait confronter Pharaon. Ça, c'est un prophète. Et nous avons Nathan qui pouvait affronter David. Et nous avons les prophètes. Michée. Il ne dit jamais une bonne chose sur mon sujet. Ces messages sont toujours durs. Pénétrant, poignant, ça c'est les prophètes que nous avons, et c'est ceux-là. Mais les autres sont prophètes comme apôtres, comme évangélistes. Ce sont ceux-là qui vont dans les régions au-delà. Ils vont au-delà de leur église locale. Ils vont au-delà de leur assemblée locale. Un vrai évangéliste ne dit pas, maintenant viens, dis-moi ici. Quelle est la culture? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre ici? L'autre évangéliste qui venait, comment est-ce qu'il prêche? Dis-moi, afin que je n'offense personne. Tu ne seras pas un évangéliste. Tu ne veux pas offenser les voleurs. Tu ne veux pas offenser tel. Tu ne veux pas offenser les soulards. Tu ne veux pas offenser quelqu'un. Dis-moi, quelle est la chose majeure? Si je dis ça, pour que les gens ne soient pas offensés, les gens ne vont plus inviter la prochaine fois. Tu n'es pas un évangéliste. Il prêche pour lui-même. Il veut que les gens l'accueillent. Mais si Jonas avait dit, ah, maintenant, Dieu, tu m'envoies à Ninive et tu me dis, tu me donnes ce message, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. I know the wickedness of these people. That's je connais why la méchanceté de ces gens. C'est pourquoi j'ai fui pour ne pas obéir à cette commission avant. Maintenant, je viens. Qui sont les porte-parole, les dirigeants clés du milieu pour que je puisse m'entretenir avec eux pour les rencontrer d'abord, pour regarder leur apparence physique, pour que ce que je dirai après n'offense personne. Ça, ce n'est pas un évangéliste. Un évangéliste vient et il nous dit, il y a une seule voie qui mène au ciel, pas deux voies. Et il y a un seul sauveur, Christ. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est Jésus-Christ. Rappelez-vous, ils ont crucifié ce Jésus et Pierre est venu dire, par votre ignorance, vous avez crucifié le prince de la vie. Et je viens vous déclarer que celui que vous avez crucifié, il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. L'évangéliste de ces jours-là était direct. Et Dieu merci, ton heure a sonné maintenant. Tu ne cours devant personne, tu n'as peur de personne. Vous savez, il nous renouvelle, il nous recrée, il nous recommissionne afin que nous puissions être comme Christ dans le ministère. Seulement 120 personnes dans la chambre haute. Ils avaient toutes les qualités de Christ. 120 personnes seulement sont allées et ils ont changé leur monde. Nous avons commencé en 1973 avec 15 personnes. Et si je devais reprendre encore, et je déménage pour venir à Kumasi ici.
And then I have more than 120 plus de 120 personnes. Et nous disons, nous voulons être comme l'église primitive des 120 personnes. 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Et nous sommes là. Et nous nous mettons ensemble dans l'alliance de la prédication de l'évangile. Et je reste ici avec vous. Et vous restez avec moi. Et je dis, va ici, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Et par la grâce de Dieu, tu vas. C'est I go. Et nous continuons à prêcher la parole. 120 personnes en son temps. S'ils ont pu changer leur monde, je pense que nous pouvons. And Ghanaians are not les Ghanéens only here. Ne sont pas seulement UK, ici. Au Royaume-Uni, les églises ghanéennes sont là-bas. Aux États-Unis, il y a des églises du Ghana. China, je n'ai pas été en Chine, mais je pense que si je vais en Chine, les Ghanéens sont là-bas. Ghanéens believers are there les croyants everywhere. Ghanéens sont partout. Ghanéens, et si nous, les Ghanéens seulement, je ne veux pas parler des Nigériens, pas pour parler des Libériens, pour ne pas parler des gens d'Afrique du Sud, pour ne pas parler des Zambiens, je ne veux même pas parler d'autres pays. Je crois que nous pouvons porter cet évangile du salut dans le monde entier au nom de Jésus. Maintenant, il nous renouvelle, il nous recrée. Voyez Ésaïe au chapitre 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. For my glory, he has not created you il for t'a the pas glory créé pour la of gloire your de ta dénomination. Whatever my denomination quelque says, ce que ma dénomination dit, that is what c'est ce que I will do. Je vais faire. Want to glorify your denomination. Tu veux glorifier ta dénomination. You know, as we look at the growth of the church, comme nous voyons la croissance de Martin Luther, nous voyons Martin Luther. And the Lord revealed to him the just shall live que le juste by vivra par la foi. That's all he knew. That's all he knew. What if all the people of the Christians in the world said, this is what Martin Luther had given us. And we'll stop there. No. Et nous arrêtons là, non. You see what Martin Luther has taught, ce que Martin Luther enseigné. Il y a une virgule. Because the ministry continues. The sentence la phrase continues. And comes John Wesley. Alors John Wesley est venu. And John Wesley now John is the same thing in the Bible. Même chose the thing had been in the Bible. Even dans la at Bible. The time of même the Martin Luther, de Martin Luther. Mais Martin Luther n'avait pas vu ça. Holiness la sainteté which, sans laquelle no personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors nous mettons l'accent sur ça. Quelqu'un dit, ah, ça c'est ma dénomination. La dénomination. La prédication de la sainteté du salut et il suit cela et avec Samuel Brengel eux aussi ils ont mis l'accent sur le message de la sanctification de la sainteté. The ministry did not stop there because Jesus said, Jerusalem, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut. Parce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. And you shall et vous be serez mes témoins Jerusalem and Judea and your temple jusqu'aux extrémités de la terre. And then, so you now have the baptism et vous avez donc le baptême in the Holy du Saint-Esprit. And the people continue, et ils ont continué like that. Continuer comme and they ça. Never knew about et the gifts ils of the n'ont jamais entendu parler des dons the de l'esprit, la parole de connaissance, of sagesse, là, le discernement des esprits, the gift of faith, et le don and de the foi, gift of healings, le don and de guérison, miracles, and the don gift of speaking. Les miracles, language, et de parler de nouvelles langues, that is a ministry, and le a ministère, devotion, and also of interpretation, et de l'interprétation, et de la prophétie. Just stop et here, si nous arrêtons you're là, preaching, you're votre prédication, vous prêchez pour votre dénomination limitée, but mais look at the whole Bible, regardez look toute at la word Bible, of God, regardez la and parole the Lord de Dieu, has et le Seigneur nous a donné la totalité de la parole, et nous prêchons pas pour
pour la gloire le matin 8h. Ne prêchons pas pour la gloire de John Wesley. Nous ne prêchons pas pour la gloire de Charles Finney. Mais nous prêchons pour la gloire de Dieu. Et la gloire du Seigneur va descendre sur toi. The glory of God la gloire de Dieu va descendre sur cette nation. And et sur toutes les nations qui sont connectées. Lorsque nous savons qu'il nous a recréés et qu'il nous a formés. Oui. Made him. Look at verse 21. Ce peuple, le peuple que je me suis formé, qui sont ces gens-là? Ce peuple, où sont ces gens-là? J'ai dit, où est ce peuple? They are here. Ils sont là. I'm happy et je suis content d'être au milieu of the du peuple that are created créé God and God par God. Dieu et pour Dieu seul. And the people that will take the et light ceux qui porteront the gospel, the power la puissance of the gospel, de l'Évangile, the message of le the message gospel, de l'Évangile. And it's anywhere, et c'est partout, anywhere, à tout wake moment. Up in the morning, anywhere, si tu te réveilles le matin, n'importe où tu es, I am made for God. Je suis fait pour He has Dieu. Made me for himself. Il m'a Another fait pour call lui. Comes. Somebody is calling you et here. Quelqu'un and t'appelle it's different ici. From what God has called you et to c'est say différent. Thank you very merci. Much. It's something good Dieu and something great de bon I have a greater thing here. Plus grand chose ici. God has called me. M'a appelé. Say that again. Dis-le, non? Dieu m'a appelé. In that et tu vis dans cette conscience. And nothing will take et the rien call of ne God va arracher l'appel de ta vie in Jesus au nom de name. Jésus. He says, they shall show il publiera mes louanges. They shall show il publiera ce peuple mes louanges. Il y a sept éléments également dans ce deuxième point qui montre maintenant nous sommes pour la louange Lord, de Dieu. Now, parce que maintenant il nous appelle à la maîtrise. And if I'm going et to si be je veux mastery, être dans la maîtrise, il y a certaines choses que je dois maîtriser. Il y a certaines choses que je dois vaincre. Il y a certaines choses que je dois vaincre. Premièrement, la nervosité, les craintes antérieures. Oui, quand vous parcourez la vie, quand vous étiez né, j'ai dit en tant que bébé, vous ne craignez rien. Même pas le feu. On allume le feu. C'est, on se demande c'est quoi ça. On veut mettre les doigts dedans. On avait peur de rien du tout. On avait peur de personne. Quelqu'un vient et on regarde le visage. Ils ne sont pas papa et maman. Pourquoi ils sont différents? On détourne les regards de ces gens et on regarde maman. Et une fois quand nous regardons le visage de maman, quelle que soit la personne qui est là ou qui n'est pas là, toute crainte est ôtée. How did we begin comment est-ce que nous avons fear? Commencé à avoir peur? The people parce que les gens the world before us, qui étaient dans le monde avant nous don't go there. Ne va pas là-bas. Ça va t'arriver. Ne regarde that, pas ceci. Voici ce qui va t'arriver. Si tu vois quelqu'un qui a des barbes, tu ne dois pas avoir des barbes. C'est une personne dangereuse. Si tu vois ceci et cela, ça c'est très très dangereux. Si tu vois, il y a des gens qu'on appelle sorciers, sorcières au village. Ils sont dans notre famille. Mais si tu sors de notre famille, ils ne sont pas ici. Et voici ce que tu vas voir là-bas. Et on commence par nous raconter des histoires. Et ces histoires ont apporté la peur dans notre cœur. Quand nous grandissons maintenant, quel que soit le collège dans lequel tu es, quel que soit les diplômes que tu as, quel que soit le doctorat que tu as dans tes mains, quelles que soient les recherches que tu as pu faire en sciences ou en technologie, ce qu'on a mis en toi est toujours là, la peur, la peur. Maintenant, nous sommes nés de nouveau, mais la peur qu'ils ont placée dans nos cœurs est toujours là. Ne va pas dans telle tribu. Ah, ne dis pas que tu veux prêcher pas. Laisse les autres aller prêcher, mourir prématurément là-bas. Laisse-les aller là-bas. Mais toi, reste ici. Et ils ont mis la peur dans notre cœur. Mais vous savez, si nous voulons devenir comme Christ, toute cette crainte doit partir. Qu'est-ce que tu peux faire si tu n'avais aucune crainte de rien du tout et de personne, de toute situation dans la vie? Quelle montagne peux-tu gravir? Quelle rivière allais-tu traverser? Et quelle distance vas-tu parcourir si tu n'avais aucune peur de rien du tout et de personne sur la terre? Ce moment est venu.
The angels surround you. Les anges qui t'environnent. Pourquoi tu as peur? Christ vit au-dedans de toi. Pourquoi tu as peur? Il est mort pour toi et il a payé tout le prix de tout ce que tu as pu faire. Pourquoi tu as peur? Maintenant, nous devons vaincre cette nervosité, cette peur et les craintes antérieures. Nous devons les vaincre au nom de Jésus. Deuxièmement, nous devons vaincre l'échec et l'infructuosité antérieure. Le manque de fruits du passé, l'infructuosité antérieure. Nous allons vaincre cela. Je vais vaincre. Look at our baby here. Ouais, le bébé. And you know, she sees elle voit les femmes, les garçons et les filles qui marchent, et même qui courent, elle a ce désir, cette vision. Moi, je veux marcher, je veux me lever, et le bébé se lève un peu et tombe encore. But the baby does not Mais le bébé n'abandonne pas, il se relève et tombe encore. And out of that failure, dans cet échec-là, finalement, ce bébé arrive à se tenir debout sans tomber. Quand tu fais quelque chose pour la première fois, c'est comme si tu essaies de te lever. Tu peux échouer, tu peux tomber. Le bébé n'abandonne pas. Tu ne vas pas abandonner. Et tu essaies encore. Et tu tombes encore. The baby does le not bébé give up. N'abandonne the pas. Baby si le bébé up, abandonne, le bébé abandonne, ce bébé ne va jamais marcher. Mais you. Toi, un peu de retard, je ne pense pas que je suis appelé pour ça. Je ne pense pas que je peux faire ça. Non, tu peux. Et tu le feras. J'ai dit, tu le feras. We have to conquer. Nous devons vaincre l'échec. And the past. Et l'infructuosité antérieure. Troisièmement, nous vaincre la fausseté et la vaincre la falsification préconçue. Falsifications. You know, people look at us. Les gens nous regardent et ils racontent des histoires sur nous. And the story goes et comme l'histoire circule et nous revient. Et te revient, quand tu entends l'histoire, et on attache ton nom à l'histoire, tu dis, qui a écrit ça, mon ami, ne paye pas ton temps, tu ne sauras jamais. Qui a dit ça sur moi, mon frère, n'oublie ça. Ce que nous appelons la fabrication préconçue, la falsification préconçue. Si tu restes avec ça, tu ne feras plus rien d'autre, mais tu seras plus grand que ces menteurs. Et ceux qui pensent, que si tu lis ça, si tu entends ce qu'il dit sur toi là, et que on va falsifier son caractère, on va falsifier même ses motifs, mais il falsifie tout. Et quand tu lis ça, tu dis, je fais de mon mieux, et il me rend le pire des hommes. Je fais de mon mieux, il me fait le pire, font de moi la pire des femmes. Non. Et ça t'amène à t'asseoir. Frère, je n'entends plus parler de toi. Je suis fatigué. Peu importe la vitesse, la hauteur, regarde ce qu'ils disent. À partir d'aujourd'hui, tu vas maîtriser cette chose. Quel nom ont-ils donné à Jésus? Ils ont dit qu'il travaille avec la puissance et le prince de Belzébul. Et ils ont dit, il a un démon, ne l'écoutez pas. On n'a même pas encore dit ça sur toi encore. Et Jésus a continué jusqu'à ce qu'il arrive au calvaire. Tu vas continuer. J'ai dit, tu vas continuer. If you've written in your diary, si tu avais écrit dans ton agenda ce jour particulier, July 7, 19, quelle que soit l'année, ils ont dit ça sur moi. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Comment veux-tu montrer qu'ils ont tort?
tu t'assois. Je ne ferai plus rien. Je n'irai plus nulle part. Tu ne peux pas montrer qu'ils ont tort. Ils ont dit, on a dit ça. On a dit ça sur cet homme. Maintenant, il a la vérité de ce que nous avons dit. Et il sait qu'il essaie seulement de bouger de façon superficielle. Maintenant, il s'est assis. Ils vont mal comprendre que tu es assis. Ils vont penser que leur mensonge t'a eu. Leur mensonge ne va jamais m'avoir. Dis pour toi, non? Leur mensonge ne va jamais m'avoir. Ne permets pas toute la fausseté, toute la falsification préconçue de t'arrêter. Quatrièmement, la recherche de faute et la construction périlleuse de clôture. La recherche de faute. Vous savez, Dieu t'a donné un bon ministère. Il faut projeter ce ministère. Fais ce ministère. Prêche ce message. Mais tu regardes les autres. Tu essaies de chercher des fautes chez eux. Quand tu es engagé dans un ministère que Dieu ne t'a pas appelé, même si tu réussis dedans, tu vas échouer dans le ministère pour lequel il t'a appelé. Dieu ne m'a pas appelé dans le ministère de recherche de faute. Et toi, tu viens dans un endroit et quelqu'un dit, pasteur, avant que tu ne prêches, je veux te dire quelque chose. Il y a un pasteur qu'on appelle tel temps. Voici le type de vie qu'il a. Il y a un évangéliste qu'on appelle tel nom. Voici comment il vit. Il est dirigeant chez nous. Hein. Voici comment on l'appelle. Ne t'associe pas avec lui. Ne t'approche pas d'eux. Hein. Ne ternis pas ton ministère. Et on te prépare, pas pour le ministère, pour la prédication de la parole Dieu pour laquelle tu es venu, on te prépare pour le ministère de la recherche de faute. Et tu commences à bâtir des clôtures autour de toi. Les gens qui vont t'aider et t'amener à tel sommet de la montagne, qui vont t'amener à tel territoire, qui vont t'amener à tel autre endroit, tu bâtis des clôtures autour de toi à cause de ce que tu entends. Il faut balayer tout ce qui rejette des fautes de ton cœur et sois libre et va partout. Tu atteindras le sommet au nom de Jésus. Cinquièmement, c'est l'incrédulité. Nous devons vaincre la faiblesse et la déchéance douloureuse. C'est l'incrédulité plutôt et la folie perverse. En Jean chapitre 27. Reach out here, reach thither thy finger, Jean 27, and behold my hands. Puis il dit à Thomas, avance sitôt ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Amen. Mais crois. Vous savez, dans nos vies, l'incrédulité, Lord, I believe. But help mine mais Seigneur, unbelief. Je crois être de mon incrédulité. Et nous devons fouler. Les autres annoncent Christ. Christ est venu. Je veux voir. Voir, c'est croire. What you believe, et ce que tu crois, tu verras au nom de Jésus. Sixièmement, nous allons vaincre la faiblesse et la déchéance douloureuse. When you are feeble, quand vous êtes faible, downtrodden in your heart, abattu dans votre cœur, tout est au rabais. Oh, je te connaissais, tu étais une personne joyeuse, c'est vrai, prédicateur. Beaucoup de choses me sont arrivées depuis que vous m'avez connu aujourd'hui. Maintenant, je suis faible. Je suis maintenant. Tu laisses tomber tout. Samuel a dit, pourquoi est-ce que tu as fait ça? When you were elected,
when you were élu, appointed, quand tu as été choisi, tu étais plus lancé que tout le monde. Et ta personnalité, ton physique menaçait même certaines personnes. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je crains le peuple. Et pour ça, donc, j'ai fait ci. Il a foulé au pied le royaume. Rappelle-toi toujours, si tu es faible, si tu es craintif, et tu ne fais pas ce que tu dois faire, Dieu more than a plus que mille autres personnes qui peuvent te remplacer. Je ne serai pas remplacé. I will Je not ne be serai replaced. Pas remplacé. But you know, if we're feeble, mais si nous sommes faibles, run, on n'arrive pas à courir, on ne va pas là où nous pouvons aller. Et l'œuvre de Dieu doit être, l'œuvre de Dieu doit continuer. Il ne peut pas t'attendre indéfiniment. Tu es faible pendant un an, tu es faible. Pendant deux ans, tu es faible. Pendant trois ans, et tu ne te rappelles même pas ce que tu as entendu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu ne vas pas au Seigneur pour renouveler ta force. Tu es là, tu es là, tu es là. I pray you'll not je prie que ministry. Tu ne foules pas au pied ton ministère. Today, aujourd'hui, pendant que la puissance today, coule, aujourd'hui, pendant que le courage above, vient d'en haut, aujourd'hui, pendant que l'onction et l'onction, la puissance coule everyone, et touche tout le monde, stream, alors, lance-toi et la faiblesse sera annulée de ta vie au nom de Jésus. Number seven septièmement, is c'est le fanatisme et la famine perpétuelle. Le fanatisme. Ceux qui mettent la Bible de côté et ils cherchent nos sources de puissance. Ceux qui mettent le feu du Saint-Esprit de côté et ils ont les feux étrangers. Je prie que nous laissons tomber tous les feux étrangers. Vous savez, ce que Jésus-Christ n'a pas fait, ce que Paul n'a pas fait, ce que les apôtres n'ont pas fait, et nous allons ceci dans cela. J'ai dit, mon ami, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche la puissance. Puissance. Il n'y a pas de puissance dans la parole de Dieu que tu lui dis. Non, je cherche la puissance. Et ils doivent aller à Satan pour avoir la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Satan, l'ennemi de Dieu, et tu vas à lui pour faire des rituels. Il faut tuer quelque chose, il faut creuser par terre, il faut enterrer quelque chose là et couvre ça. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne vient pas de Jésus-Christ. Et ils vont chez Satan, et ils vont chez les idolâtres, et ils vont vers les puissants des ténèbres, le fanatisme, et ils veulent avoir la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se fait pas de cette manière. Jette tout ça. Repens-toi de toutes ces choses. Brûle-les. Et quand tu le fais, le Seigneur lui-même te donnera la puissance que tu dois avoir au nom de Jésus. Nous étions commencé ici en 1970. Quand j'ai commencé à venir ici en 1978, j'ai continué à venir, Et on avait une croisade. Et le matin, on avait les séminaires. Et je prêchais au séminaire. Et un homme avait un problème mental, un défi mental. Il m'a dit ce qui lui est arrivé. Avant, une année avant ça, quelqu'un a écrit avec un bic rouge. On lui avait une lettre au bic rouge. Quand il a lu la lettre, immédiatement, il était complètement... Il a perdu le sens. Ceux qui ont écrit la lettre sont venus dans sa maison et ils ont ramassé toutes les bonnes choses qu'il avait. Il savait qu'une fois qu'il lit la lettre, il était un incroyant. Il savait qu'une fois qu'il lit la lettre, il sera mentalement dérangé. Il va tout oublier. Alors ce matin-là, après le séminaire, il est venu vers moi. Il pouvait toujours parler. Il se rappelait en réalité ce qui est arrivé. Mais il n'était plus personne depuis ce temps-là. Et il m'a raconté toute l'histoire. Et j'ai dit, maintenant, quand cette chose est arrivée là, tu es allé prendre ceci, prends cela, dans ta maison, pour la protection. Il m'a dit oui.
J'ai dit, retourne à la maison. Et quand tu seras à la maison, repens-toi. Quand tu rentreras, rassemble toutes ces choses-là et brûle-les. Et reviens me voir le soir et je vais prier pour vous. Il a dit, non, merci. Il est rentré à la maison. Il a ramassé tous les gris-gris, les pots, là, et les gris-gris, les calebasses. Il a allumé le feu, il a tout brûlé. Toute association avec une chose maléfique, il a tout brûlé. Maintenant, et quand j'ai fini la prédication le soir, j'étais debout et je cherchais cet homme. Et il est arrivé. J'ai dit, est-ce que tu l'as fait? Il m'a dit oui. J'ai dit, prions. Il dit non. J'ai dit pourquoi? Il dit, quand j'ai brûlé toutes ces choses, immédiatement, mes sens se sont revenus. Ce pourquoi je voulais que tu pries a été réglé. Vous savez, quand nous le faisons et nous balayons tout le fanatisme loin de notre vie et la famine qui était dans notre vie, tout va être balayé. Voilà pourquoi, ce matin, je t'accueille. Aquaba. You are here today. Tu es là aujourd'hui. And now that you are et maintenant que tu es ici, toutes ces choses du passé, elles sont balayées. We're coming to number three now. Troisième point maintenant. We're looking at refined, raffiner ou reconstruire. Christ, our master, avec Christ, notre model, maître, modèle, notre créateur, you will rebuild. Tu vas rebâtir. The church in this land, l'église dans will ce be pays rebuilt. Sera rebâtie. The ministry in this land dans ce will pays be rebuilt in Jesus' name. Sera rebâti au nom de Jésus. You know, sometimes when our people come to give testimony, I understand. Je comprends. Et j'accepte. Where they are. C'est là où ils sont. Et il dit, I came here today. Je suis venu aujourd'hui. And as I came et comme here je suis today, venu ici aujourd'hui, look at what happened to me. And then voici ce qui m'est arrivé. You know, et diront, ah, je ne suis pas un membre Palace, de la vie profonde. De quel membre? Tu es membre de la vie sombre? Dis-moi, non. Es-tu membre de la vie moyenne? Es-tu membre de la vie superficielle? Deeper life, if la vie you profonde, mean, not si a member dit, of the que je ne suis pas membre de la dénomination local church, de l'église locale, life, I understand. Ah, je but vais comprendre, today, mais aujourd'hui, the Lord will even take you le Seigneur va t'amener plus profond que certaines personnes profondes. In your conviction, dans ta conviction, in your faith, dans ta foi, in your ministry, dans ton ministère, in the power dans la of puissance God in your life, de Dieu dans ta the vie, Lord will make le you Seigneur deeper te rendra plus profond, deeper, plus profond, plus profond, au Jesus nom name. De Jésus. Actually, I must tell en réalité, you je dois vous dire, vous savez, ce nom, c'est la vie chrétienne profonde. When did he bring it up? Quand est-ce que c'est venu? When I became born again. Quand j'étais né de nouveau. When I started, and each quand even though it was a ministry, je savais pas que c'était un ministère. Lagos, à l'université de Lagos, on a commencé à envoyer des articles qui ont transformé les vies. And lives were being et les vies and étaient transformées. Les vies étaient transformées. The people there, les gens qui étaient là-bas, qui ont lu ces choses qu'on envoyait et dont les vies étaient transformées, say, les gens disaient, ah, ça c'est plus profond que ce que je connaissais. Ça c'est plus profond que je connaissais. Ceux qui étaient sauvés et qui ont lu ces articles, ça c'est profond. Tu dis toi profond, dis-le non, profond. Toi tu dis profond là-bas, profond. Et cela nous est parvenu qu'on appelle ces articles profonds, qu'on m'appelle profond, comme on va t'appeler profond aussi. Et on a dit d'accord, qui sommes-nous? Alors on a décidé, ceux qui disent que nous sommes, ils disent que nous sommes profonds, nous sommes de la vie profonde. And it comes to et you cela today. Te parvient aujourd'hui. Whatever the other name ça, of your ministry, non, de ministère, of your fellowship, de communion, of your church, de église, whatever the name, soit le nom, I see you that je today te vois you are higher. Tu es plus haut. I see you that today je vois aujourd'hui you are deeper. Que tu es plus profond.
In fact, en réalité, the people we normally call deep alive, I'm number one. Je suis le premier de la vie profonde. And all the rest, et les autres, Ghana, peut-être au Ghana ici, notre pasteur national. Maybe he is number two. Lui, il est le deuxième ici. Some of you certains parmi vous, vous serez plus deep. Profond que profond. You are going to go higher. Vous irez plus haut que le plus haut niveau au nom de Jésus. Why not? Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? It must be. Ça doit être. The Lord will refine. Et le Seigneur va te raffiner. And the Lord will rebuild. Le Seigneur va te rebâtir. And Christ will be your master. Et Christ sera ton maître. Christ will be Christ sera ton modèle. Et Christ sera le créateur d'un nouveau ministère, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle famille à travers toi au nom de Jésus. You will get on the television. Tu apparaîtra à la télé. Si tu n'es pas là, tu seras à la radio. Si tu n'es pas encore allé, tu iras au Royaume-Uni. Si tu n'as pas encore été, tu iras aux États-Unis. Si tu es allé avant, tu retourneras encore. With new power, avec une nouvelle puissance, with new strength, avec une nouvelle force, with new vision, avec une nouvelle vision. Because the Lord will renew parce que le Seigneur va te renouveler aujourd'hui. The Lord will renew you. Le Seigneur va te renouveler. Three things we're looking at. Yeah, nous allons three voir. Three things number. Seven. Sept choses. Three things that what I'm used to. Je suis habitué à trois choses. Je ne peux pas venir au Ghana et vous donner ce à quoi je suis habitué. Je dois vous donner quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus grand. Premièrement donc, rebâtir le temple avec Christ. Rebâtir le temple avec Christ. Le temple. What God est ce que Dieu a établi. Ce que Dieu a fait. In Acts, maintenant en Actes chapitre 15, verset 16, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Ça c'est rebâtir. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. The church in this land, l'église dans ce pays, the temple in this le temple land, dans ce pays, Christ has come Christ est venu pour rebâtir. You are workers et together vous êtes ouvriers avec lui. Vous allez rebâtir au nom de Jésus. Deuxième élément, réparer le tabernacle like comme Christ. Réparer le tabernacle, la tente comme Christ. Il ne faut pas continuer. Ah, c'est ce qu'on a this fait avant. Voilà now. Ce que nous what's faisons maintenant. Quelle what est la différence entre ce que tu fais maintenant et ce before. Que tu as fait avant? Difference. Il doit y avoir une différence. Monte plus haut, monte plus haut. Go farther than you have et va plus loin que tu l'as fait, pas repasser. Répare le tabernacle comme Christ. Hébreux 8. Lesquels s'élèvent un culte image des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Don't go back to the valley. Ne tourne pas dans la vallée pour chercher ton modèle. Don't go to the ne va pas chez les gens qui ne sont pas don't go forts. To the people ne va pas vers les gens qui ne sont pas visionnaires. Ne va pas vers les gens qui ne sont pas des réalisateurs pour chercher un modèle pour bâtir le tabernacle. Va sur le sommet de la montagne, la montagne avec Dieu. Confie-toi au Seigneur. Vois la parole qu'il nous a révélée aujourd'hui et bâtis le tabernacle du Seigneur selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne et tu vas réparer. Quand nous retournons dans nos églises,
We look at the lives. Regardons la vie des membres. Regardons leur froideur et leur faiblesse. Regardons tout ce qui se passe. Ça, c'est le tabernacle que nous avons et nous disons, nous allons réparer. Dans nos prédications, nous allons réparer. Dans nos prières, nous allons réparer. Dans les doctrines que nous prêchons, qui fortifient et qui vont les aider à mener une vie chrétienne plus élevée, nous allons rebâtir et réparer. Le Seigneur vous accorde la grâce. Troisièmement, restaurer l'enseignement de Christ. Restaurer l'enseignement de Christ. Il a parlé de la repentance, restaure cela. Il a parlé de la justice, restaure cela. Il a parlé de la restitution, restaure cela. Il a parlé d'un homme, une femme. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Il faut restaurer cela. Il a parlé de l'évangélisation. Allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Restaure cela. Il a parlé de la sanctification et la sainteté. Et il a dit, nous devons enseigner tout ce que je vous ai observé, tout ce que je vous ai prescrit. Restaure cela. Pourquoi est-ce que tu as cessé de parler de la sainteté? Pourquoi est-ce que tu as cessé de parler de la sanctification? Il a parlé de son retour. Il a dit, je vous dis, je vais vous préparer une place. Si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Restaurez cela. Il a parlé de l'enlèvement. Il a parlé de la grande tribulation. Il a parlé de son retour pour régner et il établira son règne millénaire. Il règnera. Restaure l'enseignement de Christ. Quatrièmement, reproduire des enseignants pour Christ. Pas pour la dénomination, reproduire des enseignants pour Christ. Des enseignants comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme Matthieu, comme Paul, comme Timothée, comme Tite, comme Silas, reproduit des enseignants pour des Christ, des gens qui pourront prendre le message de Christ, le message du salut, le message de la sainteté, le message de la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Reproduit des enseignants qui seront pour Christ. Cinquièmement, résiste aux tentations avec ténacité comme Christ. Les tentations viendront. Chaque fois que nous mentionnons tentation, il y a des gens qui, la plupart des gens pensent les tentations pour l'immoralité. Résiste aussi. Mais il y a la tentation à s'asseoir. Ça, c'est une tentation. Il y a la tentation de courir au lieu de regarder derrière. Il y a la tentation d'obéir à Christ et d'obéir à la parole de Dieu. Il y a la tentation qui va dire, ça c'est trop, non? Me regarde ton âge. Ça c'est trop, non? La dernière fois tu es allé là-bas, tu as fait un accident. Est-ce que tu n'as pas appris ta leçon? La dernière fois tu es allé là-bas et tu as ceci, tu as cela. Est-ce que tu n'as pas appris ta leçon? Ça c'est une tentation. Si tu t'assois, au lieu de te lever, si tu regardes derrière, au lieu de regarder devant, tu as cédé à la tentation. La tentation de l'argent. Cette personne, on était camarades de classe. Et j'étais même plus brillant que lui à l'université. Maintenant, regarde ma vie. À cause de prêcher l'évangile, je n'ai même pas un bon véhicule qui peut m'amener là où je dois aller. Et ce que j'ai là, ça fume seulement. Ce que je fais, je dois revoir mes choix de la vie. Ça, c'est une tentation. C'est une tentation. Tu ne vas pas céder à cette tentation. Quand les gens te rabaissent, tu as fait de ton mieux et tu es allé partout. Et au lieu que les gens, félicitations, gloire à Dieu, hein. Oh, on a entendu ceci, tu as fait ceci, c'est arrivé. Ils ne font pas ça. Tu reviens à la maison, ou bien tu es revenu dans ta localité, et les gens disent, ça c'est lui ça. Jeune homme, il gaspille son temps, il gaspille sa vie. Et quand tu entends ça, laisse-moi te dire, quand j'avais fini à l'université en 1967,
first class. J'étais premier dans mon département et mon chef de département me cherchait. J'étais revenu enseigner. J'étais allé quelque part et le chef de département me cherchait parce que l'université m'a donné une bourse pour faire mon doctorat immédiatement. Je n'avais pas même fait la demande. Et ils ont listé tout ce que j'ai, les avantages que j'allais avoir. Finalement, mon professeur m'a vu. Est-ce que tu as entendu que je te cherchais? J'ai dit oui, j'ai entendu. Est-ce que tu as entendu qu'on t'a donné la bourse pour continuer ton doctorat en même temps? J'ai dit oui. J'ai dit, quand est-ce que tu viens? J'ai dit, monsieur, je ne viendrai pas. Il était choqué. Un jeune homme puisse avoir une opportunité comme celle-là. Et il dit, tout ce qui est, tout est prêt, quand est-ce que tu viens? J'ai dit, je ne viendrai pas. Mais j'ai un autre devoir. Il m'a regardé comme si la terre devrait s'ouvrir et m'avaler. Et le directeur m'a appelé. Nous sommes fiers de toi. J'ai dit merci. Toi, élève de cet établissement, de ce, et tu es premier en mathématiques. Oh, nous sommes fiers de toi. Et le directeur dit, nous te laissons parce qu'on m'avait sponsorisé pour aller à l'université. On te libère, va. J'ai dit merci, monsieur, mais je ne vais pas. Pourquoi? J'ai dit, je ne vais pas. Il dit pourquoi? J'ai dit, j'ai un devoir. Then my family, et ma famille, in our town, dans notre ville, in Nigeria, au Nigeria, the elders in our les family, anciens de la famille, great man, un grand homme, politics and other things, pardon, politique et autres, il a mentionné mon nom. The whole city is il dit, toute la ville est fière de toi. Maintenant, nous nous réjouissons que tu es premier en mathématiques. Il dit, dans l'histoire, c'est ce qu'il m'a dit, je ne sais pas. Il dit, dans l'histoire de notre ville, personne n'avait eu ça. Maintenant, avance. Go back. Retourne. Do your PhD et fais ton doctorat maintenant. J'ai dit, non, monsieur. Pourquoi? Il a dit, j'ai un devoir. C'était une tentation. Mais j'ai résisté à la tentation. J'ai un devoir. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Toi aussi, tu as un devoir. La tentation va venir de te détourner de ce devoir. Finalement, j'ai commencé à enseigner à l'université de Lagos. La tentation n'avait pas encore fini. Ils ont fait l'arrangement avec l'université de Londres. Mais dit, cet homme-là, il est trop engagé ici à la chrétienté. Mais nous voulons l'envoyer. Nous allons lui dire qu'il a 3 mois pour le faire. Et quand il viendra, attrapez-le. Et donc, ils ne m'ont pas dit au Nigeria. Ils m'ont dit que j'allais pour 3 mois. Et je suis allé. Et tout ce qu'ils voulaient que je fasse là-bas, je me suis précipité. Parce que par la grâce de Dieu, mon cerveau était là pour tout capter. En 2 mois, j'avais fini ce que je devais faire pour 3 mois. Et là-bas, à Londres, il m'a appelé pour dire, est-ce que ton dirigeant déjà t'a dit que quand tu auras fini ceci, tu vas faire encore 3 ans pour l'éducation en mathématiques? J'ai dit, c'est pas possible, monsieur. Je suis venu pour 3 mois et j'ai fini ce que je devais faire en 3 mois. J'ai fini ça en 2 mois et je rentre chez moi. Il dit quoi? Tu rejettes cette grande chose que les autres cherchent et toi tu n'as même pas demandé. On t'a donné ça gratuitement à Londres. Est-ce que tu vas laisser ça? J'ai dit j'ai un devoir.
You will receive. Tu vas résister à la tentation. And so I came. Alors je suis revenu au Nigeria. Got back to university. Je revenais à l'université. Quand j'ai apparu dans le bureau à l'université de Lagos, il a dit, tu es de retour. I said yes. J'ai dit oui, je suis de retour. He said, did the provost there tell you? Est-ce que là-bas on t'a dit qu'on a fait l'arrangement, on a tout payé pour que tu restes là-bas pour 3 ans? J'ai dit oui, il me l'a dit. Et lui-même a dit, c'est à cause de ton ministère ici. J'ai dit oui, monsieur. Tu l'as compris. La tentation va venir. Ceci, tel moyen, tel voie. Mais tu vas vaincre. You tu dois résister à la tentation like Christ. Comme Christ. Number six, sixièmement, tu dois refuser les trésors de corruption et de compromission. Number seven, septièmement, you tu dois reprendre possession. Donnez-moi un bon amen. You know, I'm telling you, from je vous the dis, death du plus profond de mon cœur, this morning, ce matin, tu vas reprendre possession. You repossess the truth. Tu dois reprendre possession de la vérité et de la vérité en Christ. Et avec la nouvelle possession que tu auras aujourd'hui, la vérité, le trésor du ciel, la puissance, la provision de Christ. Et avec ce que tu vas reposséder aujourd'hui, je fais une prophétie sur toi. You will not be weary again. Tu ne seras plus fatigué. You will not be tired. Tu ne seras plus épuisé. Everything you need. Tout ce dont tu as besoin dans le ministère, quand tu avances, comme tu cours, comme tu prêches, tout ce dont tu as besoin, la puissance pour prêcher, la puissance pour guérir les malades, et la puissance pour même ressusciter les morts, la puissance pour être tout ce que tu es appelé à être, tu vas posséder toutes choses aujourd'hui au nom de Jésus. Lève-toi maintenant, et dis au Seigneur, je vais posséder, je vais reprends possession. J'ai tout ce que Dieu dit que j'ai. Tel jour, ton jour est venu. Ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière.